Bah, ça marche mieux. On reprend. Donc, bienvenue pour l'épisode 29 de la campagne en monde de l'histoire Table Crabe. Là, petit comité ce soir. Et puis on va commencer par le traditionnel résumé. Il n'y a pas grand chose à dire. Mais si, il y a toujours des choses à dire. La maladie est finie. On l'a vaincue. On l'a vaincue, elle est passée toute seule. Ouais. On a rien vaincu. Ah non, on l'a vaincue. On a survécu. Oui. Non, rien. On a survécu à la maladie avec peu de. Pas tant de survivants que ça. Il y a la moitié du village qui a péri, je crois. Ouais. Oui, mais bon. Tac. Chez les bandits, chez les Ronin, pareil, hein, y a eu un carnage, un sacré carnage de morts, mais pour une raison inconnue, ils continuent d'avoir de l'affluence. On a décidé d'aller leur laisser de l'opium sur les bons conseils de Kuni Sama. Et et à la place de leur fournir du riz, on prévoit plutôt de leur fournir du bois et des cailloux. Histoire de leur dire, bah allez vous faire foutre. Pendant ce temps-là, il y a Caillou Sama qui travaille à la forge, qui continue de s'occuper de tout ça. Normalement, on a fini de préparer les défenses du village au cas où on serait attaqué. Il manque juste à placer un guetteur. Il y a Tetai et Isha. Qui vont passer leur Genpuku de Ronin. Et il y a Toritaka-san qui va jouer les ninjas et qui va essayer de voler des armes aux Ronin avec Tetai. Effectivement, c'était le plan. Autre chose à dire, Kuni ? Non, ça me semble à peu près le tout dans les détails. Non, ouais, non, ça va, t'as tout dit. Enfin, il n'y a rien d'autre qui me vient à l'esprit, quoi. Mmh. Bah, très bien. Kuniaka, qu'est-ce que tu veux faire pendant que l'expédition, du coup ? Parce que, bon, je te cache pas qu'une bonne partie de la partie de ce soir, ça va être l'expédition. Potentiellement, je te laisserai commander tes tailles pendant un temps. Pauvre de lui. Mais avec ma chance au dé, il va trépasser vite fait. Mais voilà, c'est il y a des moments où je le récupérerai. Voilà, mais peut-être, mais. Je pense que alors, ce sera occupé de du renouveau spirituel du village après le passage de la maladie, quoi. Donc, s'occuper de. Enfin, écouter ceux qui ont besoin de parler, faire des prières à ceux qui ont besoin de faire des prières. Je pense que tout ce qui est mort ont été enterrés et brûlés déjà, donc ça c'est pas un souci, quoi. Mais bon, voilà, enfin, s'occuper du côté mystique du village. Quoi. Comment dire, je considère qu'ils sont, vu la quantité, ils sont pas tous brûlés. Et c'est en cours, mais c'est. C'est un peu délicat parce qu'il faut quand même faire des cérémonies, quoi. Ça c'est Kuni qui le fait de toute façon, quoi. Ouais. Mais ok, je vais partir là-dessus. Ça me permettra de faire éventuellement un petit switch. De toute façon, elle est trop faible pour pouvoir se déplacer vachement loin et tout ça, quoi. Donc je pense que c'est ce qu'elle fait, elle prend le côté spirituel du village et tout, quoi. Mais
comment dire, tu imagines des choses sur ton personnage, hein. J'ai jamais dit qu'elle était faible. Hein. Voilà, un en force quand même. Oui, mais enfin. Ah, mais c'est roleplay. Elle traîne sa patte. Non, elle peut se fatiguer vite. Mais je veux dire, la condition de ton personnage, c'est moi qui la décide. C'est pas toi qui l'imagine. Ouais, mais toujours d'accord. Techniquement, l'eau, en fait, comme du coup, j'ai plus qu'un en eau, quoi. L'eau, en fait, ça génère ton mouvement. C'est pour ça que je dis, je traîne avec une canne et tout. Ah, mais ça, éventuellement. Mais enfin. Après, enfin, c'est pas une combattante, c'est vrai, on s'en fout. Dans l'absolu, tu restes éveillé 8 à 10 heures comme tout le monde, quoi. T'as pas, oui. T'as pas de. Non, moi je représente plus le côté physique de la chose, c'est tout, quoi. C'est avec un enfant, je considère qu'elle est. Certaines activités, c'est plus fatigant pour elle qu'autre chose, tu vois, quoi, c'est tout, quoi. Oui. Mais pour le reste, oui, elle vit normalement, il n'y a pas de souci, quoi. On est bien d'accord là-dessus. Ok. Bah, du coup, qu'est-ce que Tetaï demande à son samouraï de. Avant de partir, est-ce qu'il y a des ordres, est-ce qu'il y a des instructions, fil de marche, procédure pour avancer, etc., bah. Matériel Toritaka lui dira bien prends un sabre au cas où. Prends-toi une arme au cas où. Et on va porter ces sacs de plantes jusqu'au camp des Ronin. Toritaka Sama, un peu de respect pour ce que nous offrent les Camilles de la Terre, s'il vous plaît. Ces plantes ont un nom, quand même. Oui. Peu importe. On est d'accord que là, tu parles en Dangoku Kunyaka. Oui, oui. Hein? Ah, d'accord. Je croyais que c'était Tetaï qui me répondait. Je suis en Parakoué. Oui, parce qu'effectivement, j'avais plutôt imaginé que la scène soit qu'entre les deux et pas les oui, autres. Oui, parce oui, oui. Voilà, juste pour pousser le RP, Captain, tu vois. Mais si tu immisces Kunyaka partout. Non, parce que du coup, ouais, je crois que c'était quand on était à la fin dernière encore entre nous. Non, non, là je suis en train de partir avec Tetaï, je lui dis juste, vas-y, va prendre une arme et vas-y, on y va. Alors, du coup, est-ce que Tetaï, ça lui va ça, ou est-ce qu'il a besoin de plus d'informations? Oui, bah je lui ai dit qu'on allait au camp des Ronin. Du coup, vous voulez qu'on. Je marche derrière vous, devant vous, à 50 mètres. Marche derrière moi et fais-toi discret. D'accord. Bon bah du coup, on va faire un petit jet de discrétion. Très bien. Discrétion, agilité. Ou alors... Alors de la guerre agilité. Bah j'en ai moins. ça reste, enfin discrétion te fera perdre de l'honneur. Hein. Ouais, voilà. C'est pas grave. J'assume. Alors c'est 5, j'ai 3. Je mets un point de vide. Pour l'instant c'est juste pour s'approcher du camp. Ouais. Okay, c'est pour t'éloigner du tien et prendre la route et puis. Okay. Je préviens que que je prévois d'arriver de nuit au camp des Ronin. Hein. Okay. Du coup, si jamais on part, si jamais je vois qu'on est pour arriver trop tôt, on fera une pause dans la nature. Ça marche. 21. Ok. tu jettes les dés pour détail, Captain? Ouais, si tu veux. Je vais considérer qu'il a 3 G3. 3 en furtivité, c'est un peu beaucoup. 2, on va faire. Donc 5 G3. Il va pas dépenser de points de vide. Ok, ça va.
Donc vous faites le une partie de la une bonne partie de la route sans loin discrètement. Bon, je vais enchaîner les jets de dés, hein, ça va être vraiment d'événements à vous faire faire sur la route. Donc Toritaka, tu peux me faire un jet de perception, chasse, enquête si tu as, mais c'est mieux chasse, et si non, perception pure. Non mais chasse, ça me va. 10. Ok. Captain, tu me le fais... Ouais, vas-y, je lance. Alors, perception... Il va avoir 2. Chasse, il va avoir 1. Donc 3 G2. 20. Ouh. Il est en veine ce soir, Tétail. Ouais. Tétail, tu viens de voir un éclaireur dans un arbre. Qu'est-ce que tu fais ? Ah ben. Il se rapproche tranquillement du Toritaka et en le dépassant, lui dit discrètement il y a un guetteur dans les arbres derrière nous. Ok, j'observe pour voir s'il nous a repérés. Est-ce qu'il nous regarde ? Non, mais il a repéré vos traces et il descend en fait. Il ne regarde pas forcément, mais il vous cherche, on va dire. Il y a de la végétation qui vous protège un peu, entre guillemets. Je suppose que vous n'êtes pas retourné en plein milieu de la plaine, quoi. mais en gros, vous voyez descendre de son arbre. Donc il est au courant de quelque chose qui se trame, quoi. Samurai Sama, si on l'attaque, ils sauront qu'il s'est passé. On va leur voler des armes. Évidemment qu'ils sauront qu'il s'est passé quelque chose. Oui, mais ils pourront penser que c'est un autre qui a fait le coup comme la fois dernière. Là, s'il y a un mort sur la route de notre village, les coupables seront désignés. On cachera le corps. Je laisse venir jusqu'à nous et je me prépare à l'attaquer. Vous entendez un sifflement qui émane du ciel. Ah, c'est bon, récemment, on dirait une de ces flèches qui... très bien. Laissons nos sacs ici et retournons en arrière sur notre... Vous voulez abandonner notre marchandise ? Oui, de toute façon, le but, c'était de leur laisser. Ah, ok. Bon, du coup, si tu fais ce que tu as dit, tu laisses la marchandise et tu reviens sur tes traces, vous allez tomber sur le gars. Ok. Vous faites ça, il n'y a pas de souci. Hein. Au bout de 2 minutes, vous êtes face à face avec le gars. Hein. Il a dégainé. Ah, ma première prise de ma journée. Ah. Tu crois ? Bon, nous verrons bien. Du coup, on aura de la chance, la deuxième passera. Détail, ferme-la et prépare-toi à courir jusqu'au village. Et vous avez parfaitement raison, Samurai Sama, excusez-moi. Initiative ? Ouais. Va bien falloir. Ah, je pensais pas vous décourager dans votre initiative, enfin dans votre tentative. Ah, la flèche sifflante m'a mis le seum. Autrement, j'aurais continué, mais là, avec ça, non. Après, il faut juste s'éloigner, en fait. Hein, mais... Oui, pour l'instant, on va finir comme ça. Tac. Le fait qu'ils aient une flèche sifflante reste quand même cohérent. Hein, voilà. Ah oui, non, il n'y a pas de souci. Je cherche mon init, elle est où dans la fiche ? En haut, à droite. Ah oui, là, dans l'onglet devant. Okay. Très bien. Donc, une initiative à 14. Ouh.
Et t'as bien entendu ce que j'ai dit, Tétaï? Que je dois rester derrière vous? Non, j'ai dit que si ça se passe mal, tu cours jusqu'au village. T'as fait ton init, Tétaï? Bah oui, je vais bien, mais je sais pas combien il est en réflexe. Comment il est. Bon, 3G2, hein. Ok. Bah, Laurent, voilà, hein. Ah, peut-être bientôt un 1 de Ronin, c'est important. Bon, 14 aussi. Ouais. Bon. Oh, l'initiative pour lui aussi. Hein. Voilà. bah, vous avez l'initiative pour le moment. En tout cas. Très bien. Eh ben, je serai en assaut. Merde, il a quoi déjà comme arme, Tétail? Alors pour le coup, il a pas pris un katana. Je pense qu'il aura un couteau ou un truc dans le genre, quoi. Non, il va avoir pris un Yari, je pense. C'est une lance, c'est ça, je crois. Hein. Ouais. C'est du 2G2 de dommage, il me semble. Je... c'est possible. Ouais, bah, je t'en prie, fais-moi ton jet en assaut, donc, Toritaka. Je vais prendre... Enfin, Il a une armure? Elle est pas ouf, hein, mais il a une armure. La tienne est en meilleur état. Je vais frapper assez puissamment. Je vais prendre 3 augmentations de dégâts. T'as 3 en vide? Oui. Ok. Je vais prendre 3 augmentations de dégâts. Donc il aura plus 15. Et je fais 40. Je pense que tu touches. Parce que... 15 plus 5, 20. Ouais, t'as fait assez au-dessus de 35 qu'il faut faire, donc oui, largement. Bah, fais les dommages avec l'augmentation. Donc, grâce à mon bénédiction de Bishamon, au lieu de... Quand je prends 3 augmentations, ça m'en compte une quatrième. Je passe à 10G2 de dégâts. Ok. 40. Bah, tout le 30. Bah, Teta, il a pas eu à frapper, du coup. Il est vexé ou jaloux, tu sais pas. Ok. Bah, tu as un Ronin tranché en deux devant toi. Bon. Qu'est-ce que vous faites, ah bah, du coup? Ah bah, si t'es incoutumé, je pense que Teta, il pique l'arme. Oui. Bon, bah, après, je pense qu'il va falloir enterrer. J'essuie ma lame, je la rengaine. Nous devrions cacher le corps, comme vous l'avez suggéré, Samouraï Sama. Oui, jette-le dans un buisson, je vais chercher nos sacs. Alors, oubliez pas que vous jouez à 5R quand même, hein. Oui. Donc, cacher un cadavre, vous le touchez pas. Ah, j'ai dit ça, j'ai dit à Tétaï de le faire, moi j'y touche pas. Mais c'est un ennemi, il va hésiter aussi à le faire. Ah. Par contre, imaginez, hein, vous êtes dans un décor avec des tonnes de neige autour de vous, hein, donc le couvrir de neige, c'est faisable. Mais, Ouais, on va le recouvrir de neige. Ça, tu veux un jet? Non. Ok. Non, c'est pas besoin. On va le recouvrir de neige, alors. Mais voilà. Si, il va y avoir du soleil, ça va fondre. Ah bah, ça va pas, ça va, il va pas rester caché 20 ans, on est d'accord, mais bon. On devrait pas lui couper la tête, Samouraï Sama. Bah, il est tranché en deux, hein. Oui, mais ça, mais je sais pas, moi, mais j'ai cru entendre comme quoi que si il est mort, ça coupait la tête, il pouvait revenir, et puis nous attaquer pendant qu'on dort. Vas-y, tranche lui la tête. Pire encore. Bah, avec ma lance, ça va être dur, Samouraï Sama. Oh non, tu peux, hein. Ah oui, bah il va se prendre à plusieurs fois, c'est un peu gore. Hein. Bah, fais-moi le jet, hein, tout simplement. De quoi, un jet de force? Un jet de dommage. Ok, il a combien en force? 2, je pense. En fait, tu vas me faire un jet de toucher d'abord. Qui est relativement facile, mais à toi de décider. T'es là, il y a 2 en vide. Donc tu peux prendre 2 augmentations, si tu veux. Le ND pour lui trancher la tête... Ouais, on va prendre 2 augmentations pour faire un peu plus de dégâts, quoi. Du coup, il a combien pour attaquer?
Bah, il va avoir 3 dans la compétence d'armes et 3 en agilité. Donc si, si j'ai 3, c'est pas mal. Ah bah 28, ça passe, comme le seuil était à 15. Mmh. Et donc du coup, bah maintenant tu me fais les dommages. C'est du 2G2, hein, je crois, le guerrier. Ouais, donc ça fait 4G2 plus 2, ça fait 6G2. Dommage. Parce que t'as 2 augmentations. Oh, 36. Putain, vache. Ok, bah tu lui tranches la tête sans souci. Il fallait faire une entre, on va dire, un peu plus de autour de 20 points de dommage suffisait, quoi. Et bah, t'arrives à lui trancher la tête. Il fait presque la danse de la victoire. Bon, puis après, il cherche de la neige et puis le ballon sur le corps. Ouais, bah ça va prendre un peu de temps hein, de recouvrir le corps. Ouais, quoique, non, si. Vous être dans la nature, je veux dire. Ça pourrait être bien qu'il se mette à neiger, oui. Alors après, moi ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que vous faites ensuite, quoi. Parce que là, vous vous entendez bien qu'il y a des gens qui arrivent vers vous. Hein. Ouais. Alors, on va aller se planquer à côté, en cachant nos traces. C'est chose que j'ai déjà faite, donc je pense pouvoir recommencer. Ok. Eh ben, fais-moi ton jet de dissimulation des traces. C'est quoi, chasse? Alors ça, effectivement, ça peut être ça. Une autre compétence qui peut être utile. Il faut juste que je retrouve l'écran pour voir comment ils s'appellent. Parce que... en espérant que sur l'écran il y ait les noms des compétences. Alors, moi je mettrais passe-passe en fait. Passe-passe, j'ai pas. Ok. Ah, quoi que. Ouais, c'est pas forcément. Ça peut être discrétion pure aussi, c'est une discrétion en fait. Ok, je vais le faire en discrétion. Discrétion ou chasse, voilà, comme tu veux. Je vais le faire en discrétion, je vais mettre un point de vide. Est-ce que tu prends des augmentations? Bah s'il en faut pour bien nous cacher tous les deux, moi et Teta. Alors en fait, c'est simple, c'est que si derrière, si moi je fais jouer un PNJ et que je lui décide qu'il prend des augmentations, bah en fait il te battra si tu n'en as pas pris. Mmh. Parce que je veux dire, c'est en fait, en gros, tu vas faire un jet de dés. Si, admettons, hein, tu prends, tu fais un gros jet, mais tu prends pas l'augmentation, tu fais 40. Moi, je dis, ok, mais en fait, ton 40, comme tu n'as pas pris d'augmentation, en fait, c'est tu l'as caché à un niveau 20, par exemple, mmh. ou 25, ou voilà. Et enfin, je descends un peu le truc, et donc du coup. Ça veut dire que si quelqu'un, le PNJ, fait 30, bah, il va voir tes traces, ou va voir le fait que tu as dissimulé tes traces, alors que le prendre les augmentations, bah, complexifie beaucoup plus le travail. Quoi. Je vais prendre 2 augmentations. Ce genre de... 41. Ok. Okay. Donc bah, tu dissimules les traces, vous vous cachez, et vous attendez. Oui. Donc, bah, au bout de 5-10 minutes, vous avez un petit groupe de Ronin qui parcourt la zone. Il y a l'air d'avoir des gens, des combattants d'un peu tous les niveaux. Hein. Il y en a qui ont l'air vraiment dangereux, d'autres qui sont à moitié morts presque. Mmh. Et. Est-ce que vous avez cette lecture sur les lèvres? Non. Non. Je vais vous teaser. Du coup, il y a deux des Ronin qui semblent être, on va dire, les plus... les officiers, on va dire, ont trouvé, du coup, les sacs que vous avez laissés et se posent des questions et, du coup, parlent entre eux. Non, pas très loin de vous. Vous les voyez. Est-ce que tu essayes de prêter une oreille? Ou Teta essaye de le faire? Moi, je vais tendre l'oreille, oui. Teta, il le fera de toute façon, quoi qu'il arrive. Alors, quand je dis tendre l'oreille, il faut sortir un petit peu, quoi. Ça va demander un jet de discrétion de s'approcher un peu, quoi. Voilà. Ouais, ben, faisons ça. Ouais, c'est pareil pour Teta, de toute façon, il l'aurait fait d'une façon ou d'une autre, donc... Bah, je vous en prie, hein, faites un jeu de discrétion.
Captain, n'hésite pas à te mettre sur une fiche les jets que j'ai décidés pour détail. Comme ça, si tu les réutilises, tu les connais, quoi. C'est ce que je veux dire. J'aimerais entendre Captain me dire « Oui, Obi, j'ai très bien compris ce que tu as dit, et je suis oui, en train de le faire. » J'ai noté certains, mais je n'ai pas noté tous. Ah putain, vas-y, si je le fais pas chauffer, bien sûr, ça va pas marcher bien. Ok, par contre, du coup, il a combien en compétence discrétion? Je ne sais plus s'il a déjà fait. Il a 2. Il a 2 et il a 3 en agilité. Tu peux marquer, hein, c'est valeur aussi. Hein. L'agilité à 3... Oui, c'est ce que je fais, quoi. Je pense que dans ma mémoire, je vais être cohérent, mais bon, on sait jamais, je suis pas à l'abri d'une erreur. Hein. Donc, Teta, il a fait 17. Et toi, Teta? 27. Ok. Alors, Doritaka, t'arrives à t'avancer, mais tu entends que ton jeune camarade, il s'y prend comme un manche. Qu'est-ce que tu fais? Je fais signe de s'arrêter. Genre, je tends une main vers lui, genre stop. Je me suis pris les pieds dans des racines. Tu t'arrêtes, Tetaï? Oui, oui. Il va pas risquer de courser un samouraï, donc oui, ça. Ok. En approchant des deux samouraïs, tu remarques qu'ils sont en train de discuter pour savoir s'ils font venir et ils donnent le nom de quelqu'un. Donc, il sera généré plus tard par le MJ. La seule personne capable de trouver les gens qui se cachent ici. Et en gros, il y a une discussion que il y en a un qui est pour, l'autre qui est plutôt contre, parce que il a d'autres choses à faire, patati patata, que c'est pas trop son... Enfin, il aura pas envie de marcher jusqu'à ici, et tout, donc ils ont pas envie de le déranger. Ben voilà, il y a un peu les deux arguments qui s'opposent entre les deux officiers, et tu comprends qu'ils parlent d'un Shugenja, en fait. Au vu des... pouvoir et des capacités de la personne donc qui est citée. Ok. Le résultat de la conversation, c'est qu'ils vont quand même envoyer quelqu'un au camp pour aller prévenir et demander à ce qu'il vienne. C'est pas dit qu'il accepte. Ils se sont pas convaincus. Mais voilà. Et eux, ils vont continuer la recherche. Et ils sont combien là? Ils sont une bonne dizaine. Je reviens vers tes tailles. En gros, ils commencent un peu à faire des cercles et s'éloigner. Donc, il y a un moment où vous allez devoir vous enfoncer un peu dans la neige et prier que ça passe, quoi. Mmh. Mais une fois que c'est fait, vous pourrez être derrière eux, quoi. Donc. Tenter une approche militaire, derrière eux, vous allez pouvoir effectivement peut-être en tuer un ou deux facilement, vous allez avoir 10 secondes d'avance, quoi. Après c'est terminé. Ouais. Par contre, évacuer ou continuer votre mission, vous pouvez. On va continuer, je pense. Je reviens vers Tetaï. Oui, maître. Non, c'est Toritaka. Oui, Toritaka-sama. La déception. Je lui fais signe de me suivre. Et on va se faufiler jusqu'à leur camp. Ah, enfin, parce qu'il commençait à faire froid quand même. Ok. Bon, je switch. Retour au village. Toritaka, tu peux jouer qui tu veux au village. Il y a encore le moine ou que sais-je. Il y a Isha. Ou Isha, pourquoi pas. Fais-moi un jet de... Kuniaka, fais-moi un petit jet de perception. Et entre guillemets, Isha peut aussi le faire éventuellement. Je sais pas si tu as quelqu'un... Enfin, tu choisis Isha ou tu prends... t'as envie de jouer quelqu'un d'autre? Ouais, je vais prendre Isha. Ok.
Donc vous êtes donc Isha, elle a passé aujourd'hui son Genpuku et elle est officiellement Ronin. Et du coup, en tant que Ronin, elle supervise les opérations de crémation des corps sont encore là dans l'épidémie. J'ai droit à enquête pour le jet de perception ou c'est juste perception pure? Non, c'est perception pure. À combien, Isha? Oh putain, la cata. 3. 3 en perception, elle a. Oh, punaise. Et puis, voilà. Mais elle a des meilleurs stats que moi, c'est trop long. À moins d'être Shugenjado, les Shugenja, vous avez pas trop intérêt à avoir beaucoup de perception, quoi. Ah si, pour l'enquête et tout ça, quoi. Ouais, mais c'est pas tous les Shugenja font de l'enquête, hein, ou. L'air est beaucoup plus intéressant en termes de compétences. Aussi, mais. Pardon, du coup, Isha, dans les cadavres qui. Juste avant qu'ils soient jetés aux flammes, tu remarques que certains ont des mouvements de dieu. Oula! Je vais prévenir Kuniaka très vite. Opinaise. Quel tourisme. Kuni-sama? Oui. Vous avez raté un truc? De quoi parlez-vous? Non, parce que leurs yeux, ils bougent, là. Ah, moi, j'ai rien raté du tout. Ça veut dire que ils sont corrompus et que ils sont en train de revenir en tant que mort-vivant, malheureusement pour nous. Allons chercher des guerriers afin de leur couper la tête rapidement. En fait, je peux le faire. Faites alors, je vous accompagne. On n'est jamais trop. Enfin, j'ai toujours sûr d'avoir un kuni dans sa poche. Ça peut servir. Très bien. Isha va aller leur couper la tête à ceux qui restent. Ok, clairement, c'est pas très difficile, hein, parce que la plupart sont en très mauvais état et ils sont pas très très vifs. Tu vas quand même faire un jet de volonté, quand même, Isha, parce que c'est pas le spectacle est pas ragoûtant. Et puis l'odeur, j'en parle pas. Hein. Ouais, moi aussi, il faut que je le fasse. Non, Kuni, non, ça va, t'as vu pire. Mais Isha, quand même, donc j'ai de volonté pure, hein, elle peut ajouter son honneur, qui est pas beaucoup. Ok, elle a combien en honneur? Elle va avoir, 1. Et j'imagine qu'elle a 2 en volonté. Allez, je vais être gentil, je vais lui donner 3. C'est de gentillesse. Je l'ai un peu joué de tête de con, alors du coup, un peu. Elle a fait 12. Ok, elle se chie dessus. Finalement, Kuni-sama, vous voulez pas le faire? Je vous prête mon arme. En fait, à un moment, t'as, en marchant, en t'approchant, t'as dû. Il y a ton pied qui a touché la main d'un des cadavres. Alors, t'avais du tissu et tout, hein, pas de soucis, mais ça t'a fait bizarre. Du coup, Aïcha, elle est moins rassurée. Donc, Kuniaka, qu'est-ce que tu... Rassurez-vous, Ishashama, tant que ce n'est que leurs yeux, nous ne courons... pas de grand danger, mais soyons prudents et allons chercher Kayusa. Ah, d'accord. Allez, rassurer. Il saura le faire. Il fera le travail. Il y a la force pour. Je vais le chercher. Voilà. Vous pouvez rester là et les surveiller. Oui. Hein. Je surveille. Ok, fais-moi ton jet. Akane n'emmène pas large non plus, hein. Si ça bouge, c'est sort dans la tronche. Hein. Oui, on va voir si tu vois que si ça bouge. Du coup, elle veille, hein. C'est enquête. Hein. Je sais pas ce que. Tu veux que je fasse quoi comme jet? Eh ben,
Ok, bah fais-moi ton jet de perception enquête. Ah, 26. Ok, bah du coup tu te au moment où tu entends des pas derrière toi. Kuni rentre la tête dans tes épaules et elle se retourne genre qui est-ce? Bah tu vois un zombie hein, qui arrive. Hein. Alors ah, après le nom bon tu regardes la liste des noms des paysans, c'est un d'entre eux quoi, mais il a un peu changé d'haleine quoi, on va dire. Récemment. Oui, bah c'est frappe de jette dans sa tronche, hein, comme je t'ai dit, hein, dans la panique. Hein. Vas-y. Sort de rouen, c'est un D de 10, et je vais prendre deux augmentations pour augmenter les deux. Il est tout seul ou il y en a d'autres? Ah, pour l'instant, il y en a. Bon, bah du coup, je vais prendre deux augmentations pour augmenter les dommages. Ah, punaise, c'est vrai que j'ai perdu un point de niveau, quoi. Ça rate, non? Non, en fait, non, pas t'attendre, parce qu'en fait, du coup, c'est une cible non humaine, donc j'ai du plus 1 G1. Et plus 1 G1 supplémentaire, c'est les corrompus. En dommage, je crois. Attends, faut que je vérifie, je sais plus si c'est corrompu ou pas, en fait, le plus 1 G1 en plus. Ouais, pour qu'un Kuni rate un sort de niveau 1 en terre sur un mort vivant. Il y a ceux qui ont la chance et ceux qui ne l'ont pas. Hein. Avec deux augmentations, ça fait ND20, non 15, non, 15. Parce que c'est un sort de rang 1. Parce que lui, il a une augmente. Gratuite. Ah, oui. Donc, tu valides, Captain? C'est bien bon, hein. T'as bien... Attends, je vérifie juste l'histoire du plus 1G1, parce que je sais plus si c'est en dégâts ou si c'est en... pour relancer. Je cherche. C'est ça, de jouer une Shugenja qui lance pas de sort. Tu veux, Captain? Attends, je cherche le sort. Mais dépêche-toi, sinon je vais te réserver un sort funeste. C'est pas non, c'est plus un jeu. En fait, il faut que je lance plus un G1, un G0 de plus en fait. Écris-le sur ta fiche hein, pour qu'on soit. Ouais, c'est bon, c'est fait. Pour que ça soit carré. Bon, bah c'est raté, hein, oui, que ça fait 13 au total. Ah, bon. Eh ben le zombie va t'attaquer. Je suis trop abonné au 1 quoi, c'est trop la honte. Je pense que si ton sensei de l'école Kuni était là, il te rayerait des registres de l'école. Hein. Quelqu'un a le bouquin de base sur les yeux? Oui. Est-ce que tu peux regarder le jet d'attaque du zombie de base? Oui. Donc pour être très énorme, mais... Alors... Ça doit être 3G1, 3G2... Zombie... Non, c'est plus que ça, je crois. Zombie, c'est 4G2 d'un coup de poing. Ah. Tu l'avais dit, c'est beaucoup. Et c'est une action complexe. 24 ah, en plus, il fait 24, quoi. Parfait, tu peux pas faire 3-1 comme moi. Alors du coup, c'est quoi les dommages? 3G1. Ah bah. Mais ah, tu prends 9. J'ai un dé de 20, quoi. Sérieux, quoi. Tu prends 9, ma chère Kuniaka. C'est noté. Kuniaka, la boxeuse de zombies. Non, le punching ball de zombies. Oui. En plus, c'est pas le premier qui lui fout la honte, c'est le deuxième. Du coup, tour suivant, tu veux quoi? Un jet d'initiative ou... Oh, je vais considérer que là, je te la laisse à l'initiative. Bon, j'essaie de relancer mon sort avec les deux augmentations. Tu peux voir ça comme de la pitié du MJ si tu veux. Mais... Oh, c'est gentil. Après, tu peux ne pas mettre d'augmentation, hein, histoire de t'assurer de faire des ouais, dommages. Non, c'est un dé de 15, pas non plus la mort. Quoi. Voilà, 33, c'est mieux. Ah. Je t'en prie. Du coup, en dommage, tu lui fais du 5, j'ai 3. Voilà. Il est presque carbonisé. Ouais, sauf que le zombie, c'est résistance à mer. Hein. Oui, mais là, c'est frappe de jade. Hein. Oui, mais... Le zombie, il a 70 points de vie, je crois, de mémoire. Et il ressent pas la douleur. Il m'a pas dit ça, mon sensei. Merde.
pas dit ça, mon sensei. Bah dis, faut les brûler et après c'est tranquille, quoi. Il m'a pas dit que quand tu les brûles, ça survit encore. Alors, frappe de jade fait que tu lui fais des dommages qui font mal, mais dans l'absolu, enfin, je veux dire, le zombie de base, dommage de jade ou pas, ça lui fait des dommages, quoi. Donc on s'en tape, mais il a pas invulnérabilité. Ah, attends, par contre, j'ai oublié le plus 1G1 parce que c'est une créature corrompue. Ça, par contre. Bon, 3 de plus, comme d'habitude. Bon. C'est toujours ça. Du coup, Isha, oui. tu es à mi-parcours et tu entends qu'il y a du grabuge autour de... autour de... Comment on appelle ça de Kuniaka. Mm-hmm. Donc, soit tu restes planté là, soit tu continues ta mission et tu vas prévenir des renforts, soit tu... te transforme en renfort ou autre chose. Non, je vais chercher chose. Caillou. Non, ça. D'accord. Ok. Ok, d'accord. Le punching ball, il va retenter. Il te touche pas, je pense, à 14. Mais non, il faut qu'il passe 20 minimum. Ah, tu as de la chance. Bah, je t'en prie, hein, refais léger. On va voir. Compte tes sorts, hein, quand même. Hein. 22, ça oui. Passe. En plus, j'ai oublié de compter l'augmentation gratuite aussi. C'est encore. Je me suis encore jamais battu avec le Kuni, du coup. Voilà, donc ça fait 8G4. Monter, hein. C'est pas mal. Ouais, là, il va commencer à être dans sa l'état quand même. Allez. Dernier tour pour la forme. Bon, là, il devient. Comment dire? C'est pas vraiment un zombie qui t'attaque, hein. C'est plus un squelette avec des vêtements, quoi. Limite. Ouais, ça peut encore te bouffer, ce truc-là, donc voilà. Oui. Bon, du coup, je lance mon dernier sort de terre, officiel, après je peux toujours utiliser ceux du vide. Eh non. Parce que si tu lances ton dernier terre, tu peux plus utiliser le vide pour faire de la terre. Du coup, j'utilise un sort de vide. Tu dois garder un sort de terre pour pouvoir utiliser tes sauts de terre, de vide en terre. Voilà. Ok, bah du coup, j'utilise un sort de vide. Tu peux. 18, ça passe. Ah bah, il se reprend 31 de dommage. Ok, bah tu le pulvérises. Donc, arrive à ce moment-là les renforts à coups de marteau. Bah, il peut voir Kuniaka toute blanchâtre. Toute rouge, surtout. Mais Elle vient de voir la mort. Vous allez bien, Kunisama? Oui. Kunisama, ce serait bien de couper la tête de tous ces cadavres avant qu'ils ne se relèvent à leur tour. Oui. Vous savez ce qu'on dit, hein, le comble pour un forgeron, c'est de finir complètement marteau. Et du coup, bah, il fracasse à cause des têtes. Tout va bien. On retourne dans les montagnes. Mmh. Tac. Donc, vous avez repris la route. Dans quelle direction? Direction du camp des Ronin. À quel pas vous allez? Vitesse. Bah, comme j'essaie de camoufler nos traces, j'imagine que ce sera assez lentement. Ok. Bah, vous allez arriver au village, hein, tout simplement. Hein. Je vais pas vous faire languir. Vous êtes à visuel de village. Je considère que vous êtes caché en attendant de décider ce que vous allez faire exactement. Mais voilà, alors qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un campement qui est très organisé, martial. Alors, moins la partie hôpital. Toujours existante, mais voilà, la partie où les gens dorment et tout autour, évidemment, de l'attente des officiers, des chefs, des machins, c'est très, très, très bien organisé. Il y a des patrouilles serrées,
bien. Je te demande à détail, comment vous y êtes pris la dernière fois? Bah, c'est-à-dire qu'à la fois, c'était pas comme ça. Alors, c'est moi qui vais répondre, parce que du coup, moi, je l'ai imaginé. Conçu. En gros, en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous sommes allés à la forge. Et nous avons volé les armes qui étaient probablement allaient être réparées par le forgeron. Sauf que, comme il faisait nuit, le forgeron n'était pas là. Et il avait les armes étaient dans la forge. Mais là, la forge, elle est beaucoup plus surveillée qu'elle ne l'était à l'époque. Parce que, un, elle a été déplacée. Mm-hmm. Et du coup, elle est beaucoup plus proche du camp parti militaire, quoi. Là où avant, elle était, on va dire, un peu... dans le camp, elle était dans une zone neutre, et donc elle était un peu entre les quatre factions. Il n'y avait aucune des factions qui ne la protégeait ou qui ne dominait vraiment la forge. Là, c'est devenu à part entière quelque chose de qui appartient à ces Ronin-là, et donc du coup, il la protège beaucoup plus. Mmh. Une idée, Tétail? Le camp semble aller pour le coup donc bien plus martial que la Fanina quand on est venu. Ça va être plus compliqué de rentrer dedans. Surtout, moi je pourrais éventuellement passer inaperçu, mais pour vous ça sera plus compliqué, ça moi et ça va. Éventuellement, si nous pouvons voler si j'arrive à voler quelques vêtements. Tu comptes pas me faire habiller comme ces personnes. Mais si on veut rentrer dans le camp, Samurai Sama, va bien falloir. Bien, va me chercher des vêtements. Teta, il va chercher des vêtements. Ok. Je pense qu'il va aller du côté de l'infirmerie pour envoler, c'est plus tranquille, quoi. Enfin, ça... Alors... Teta, il revient au bout... Enfin, au bout d'une demi-heure, il n'est toujours pas revenu. Et je vais m'approcher de là où il est parti. Tu sens pas de... Enfin, t'entends pas d'alerte qui a été donnée dans le camp ou quoi que ce soit. Tu le vois pas forcément aux alentours, mais voilà, il est... Est-ce que t'attends? Est-ce que tu essaies d'avancer ou pas? Non, je décide de lui faire confiance, je vais attendre. Allez, me trahis pas, Tétail. Au bout d'un peu plus d'une heure, il revient avec avec le ce que t'avais demandé, quoi, des uniformes, enfin des tenues pour se camoufler, quoi. Pour se déguiser. Bien joué, Tétail. Je vais donc me changer. Tétail l'a déjà fait. Très bien. Je vais laisser mes affaires à un endroit où je pourrais les retrouver, mais un peu caché. T'as pas forcément besoin de faire ça. Hein. Tu peux, c'est juste des vêtements que tu peux mettre par-dessus les tiens. Ah, d'accord. C'est pas des vêtements complets. Voilà, c'est juste pour donner le change à. Voilà, si tu discutes 20 minutes avec quelqu'un, il va se rendre compte qu'il y a un souci, quoi. Que t'as un peu trop d'épaisseur, mais voilà. Ok. Mmh. Du coup, parfait. Alors, du coup, qu'est-ce que vous faites maintenant que vous êtes déguisé? Teta, il te regarde et puis il fait Samurai Sama. Enfin, je ne sais pas quelle représente la menace, quelle est la menace que représente le Shugenja qu'ils ont avec eux, mais. Ouais, si nous arrivons à l'éliminer, éventuellement, un Shokenja, voilà quoi. Après, comparé à la nôtre, à mon avis, ça se passe de commentaires, mais voilà. Je ne vais pas relever. T'as après... combien en honneur, à ton Itaka?
J'ai 5, je crois. Pour toi, tu ah, ça, avec un honneur pareil, tu as un Shugenja, c'est pas si bien que ça. Hein. Ouais, non, mais de toute façon, c'est ce que j'allais lui dire. Je compte pas tuer. Je compte pas tuer des gens qui ne sont pas un danger immédiat. Je me défendrai, mais je ne vais pas attaquer sans raison. Shugenja ou pas, d'ailleurs. Je souhaite. Enfin, je crois en vous, Samurai Sama, mais imaginez si, avec les autres nains, il trouve le village, il pourra. Vous avez vu ce que Kuni a fait chez nous, il lui est arrivé plusieurs fois, en discutant avec les Kami, de faire s'effondrer les montagnes, tout ça, quoi. Ça a été dur. Mm-hmm. C'est vrai que ça peut être dangereux, mais ce n'est quand même pas quelque chose que nous devrions faire, pas dans l'immédiat. Par contre, on pourrait peut-être l'enlever. Ce serait mieux que d'enlever des armes. Très bien. Eh bien, on n'aurait qu'à laisser le katana de celui qu'on a tué sur place. Pourquoi tu l'as volé ? Bah oui, je l'ai dit, il a pris le katana du gars. Oui. Ah, très bien. Bien. Eh ben, on va aller dans le camp et on va chercher l'endroit où dort ce Shugenja. Ok. Après, on n'a qu'à lui filer de l'herbe que prend Shiba-sama. Ça fait dormir. De quoi ? Tata, il vient de suggérer qu'on a qu'à lui donner de l'opium. Ah ! Comme ça, il se défendra pas. Ouais, mais on n'a plus les sacs. Alors. J'essaie de réfléchir. C'est quoi votre méthode pour essayer de localiser le Shugenja ? Je pense qu'on va investir les lieux et chercher une personne qui possède des parchemins. Ouais, ou qui se tient peut-être un petit peu à l'écart parce qu'il se sent pas forcément d'être avec les avec la troupeaille du coin ou des trucs dans le genre, quoi. Même si en tant que Shugenja, je suppose qu'il doit être protégé, mais. Possible. Quelqu'un d'important, apparemment. Du coup, vous vous déplacez dans le camp tranquillement en jouant vos rôles ou vous agissez quand même en mode discret en vous cachant derrière les tentes, tout ça quoi, ou non, c'est je marche tout droit, je fais semblant de vivre ma vie quoi. Bah, je suppose, ouais, on essaie de copier un peu peut-être à suggérer qu'on copie le comportement des ronins du coin quoi, c'est-à-dire on les observe un peu, puis après on fait pareil quoi. Bah, vous allez me faire un jet de comédie. Le ND de 15. Je vais mettre un point de vide. Comédie, intuition, du coup. Je voudrais mettre 3 points de vide si je pouvais. Du coup, allez. Il a combien en comédie, il a combien en intuition, t'es taille. Je suis con, c'est vrai qu'il m'a dit qu'il avait 2 en réflexe, donc logiquement, 2 en réflexe, donc logiquement, il. On va lui donner 2 en intuition, en comédie, on va lui donner la compétence. Et il peut dépenser un point de vide. Du coup, les compétences, il a combien ? Il a 1. Faut pas déconner, hein, il va pas l'avoir plus que ça. Ça reste une compétence noble. Hein. Lui, il utilise son. Pas forcément de façon noble, mais bon. Ouh, 24. Allez, 3G2. 15 Ah bah c'est magnifique. Vous arrivez à passer pour des Ronin au milieu au milieu du camp. Il y
Non, bah, du coup, on cherche du regard, effectivement, quelqu'un qui aurait des parchemins, et on va peut-être plus se concentrer sur la zone la plus gardée, parce que il y a des chances que le Shugenja soit gardé. Hop, oups. Alors oui, vous pouvez vous rapprocher de la zone où il y a un peu plus de gardes et de gens prestigieux, on va dire. À première vue, la personne qui porte parchemins sur lui. Par contre, vous voyez l'éclaireur. Qui était en haut et qui a été chargé par les officiers de ramener vos sacs. Oui. Et lui, vous le voyez sortir d'une tente, en fait. Mmh. Et à l'intérieur de cette tente, vous voyez, on va dire, 3-4 personnes, dont la chef de... des Ronin. Donc j'ai oublié le nom, mais voilà. Alors il y a quelques gardes du corps, mais y a une personne qui semble être un peu... comment dire ? Sortir du lot, semble être un espèce de conseiller du... conseiller de la chef, quoi. Ben, je propose, je vais dire à Teta, on va attendre qu'il sorte. Et plutôt que de l'attaquer dans le camp, on l'attaquera quand il sera à mi-chemin de là où il doit se rendre. Ah, ben, nous pouvons aller chercher récupérer des provisions quelque part et puis les déposer dans sa tente, comme s'il les avait demandées. Et ça, dans sa tente, nous pourrons l'attraper. Il a l'air de se préparer à sortir ou pas ? Oui. Non, on n'aura pas le temps. Nous pouvons toujours lui signifier que on nous a demandé de l'escorter pour sa sécurité. Je ne pense pas qu'il aille demander à la générale ou à la chef si c'est vrai ou pas. Oui, on peut faire ça. Alors, il sort avec un Yojimbo à côté de lui. Hein. Bon, bah, c'est raté. Je m'en doutais. Raté, ils ont déjà pensé. C'est pas grave. Ah bah attends, viens, suis-moi, on va à l'entrée du camp. On peut faire le coup que les autres ont voulu nous faire. On peut lui dire qu'on a trouvé des pistes bizarres et qu'on pense que quelqu'un s'est caché et qu'on aurait besoin de ses compétences pour localiser. Oui, on va faire ça. Espérons qu'il vient seul, enfin, ou avec au moins que son Yojimbo, quoi. Oui, mais viens, on va à l'entrée du camp, on va l'attendre là-bas. Donc la personne... que vous avez identifié comme étant le Yojimbo, enfin pas le Yojimbo, le Shugenja, pardon, est un homme assez âgé, assez grand, comment dire, et il y a beaucoup de gens ont beaucoup de respect pour lui en tout cas. Au pire, on peut tenter de le recruter et lui dire qu'on a des cookies, des saké. Qu'on a de l'opium. Eh ben, c'est le Yojimbo qui tient l'opium, apparemment. Ok. Bon, du coup, il passe à proximité de vous, puis il vous prête pas attention. Hein. Mmh. Bah écoute, on les suit de loin. Ouais, non. Je vais s'arrêter et... Ah, je vais les arrêter, je vais juste me mettre à les suivre. C'est quoi ces plantes? Le Yojimbo se retourne, te regarde. Il peut voir tes tailles avec son air débile, comme d'habitude. C'est quelque chose qui te concerne pas, soldat. D'accord. Et vous allez où avec ces plantes? Nous allons les utiliser à bon escient. Ça te pose un problème ? Non. On peut vous accompagner ? Non. Ah. Bon.
Dommage. On nous a dit qu'il y avait eu du grabuge dehors. Tu vois que le Shugenja s'impatiente. Le Yojimbo aussi, du coup. Si tu as un rapport à faire ou des questions, c'est pas à nous qui vont. Non, je voudrais juste voir ce qui s'est passé. Je vais essayer de trouver où ça se trouve. Désolé. Après, tu peux peut-être lui vendre que tu sais où en trouver de l'opium. Non. Ils ont l'air intéressés par ça, hein, quelque part. Ils continuent leur trajet et en fait, ils vont. Ils passent par la partie hôpital. Mm-hmm. Où ils laissent l'opium. Ah non, on va sortir. À sortir du camp avant eux, en fait. Histoire que ce soit eux qui viennent à nous et pas. Bah, c'est compliqué parce que là, au moment où t'as eu la conversation, ils t'ont dit de rester où tu étais, quoi, et donc de repartir à tes occupations. L'hôpital est pas très loin, tu vois, il est pas à 500 mètres, hein, il est à 20 mètres, même pas. Hein. Mmh. Donc, aller le déposer là-bas et faire demi-tour pour retourner à leur tente, c'est voilà. Mais enfin, si tu veux sortir du camp quand eux sont font le trajet, tu peux. Ouais, c'est ça. On va sortir du camp pendant qu'ils font le trajet. Ce qu'on nous a dit, moi, je pense que le Shugenja va sortir du camp pour essayer de nous traquer. Donc, je préchote et je vais aller me placer sur la route, en fait. Il se passe rien. Visiblement, le Shugenja et son Jimbo sont allés se coucher après avoir déposé le. Je me tourne vers Teta et je vais lui dire trouve-nous des victuailles vite. Ah, bah j'y vais. Hein. Je pense qu'il sait où sont les cuisines, donc bah, il va piquer de la bouffe dans les cuisines. Mmh. Ok. Par contre, le sac d'opium, il l'a foutu, il l'a posé devant ou il l'a donné à quelqu'un Non, il l'a donné à quelqu'un. Il l'a donné à quelqu'un. Okay. Ça aurait été sympa d'aller le piquer. On est venu leur donner, puis après on leur a piqué. Ah, ça peut foutre le sbol, mine de rien. Ouais. Non, parce que si ça va faire foirer notre opération de les affaiblir si ça reste à l'hôpital, en fait, tu vois. Mmh. Le but, c'est qu'ils se le vendent entre eux, quoi. Ah ben... T'inquiète pas pour ça. Bref. Continuons notre plan avec les victuailles. On va aller livrer de la nourriture au Shugenja. Ok. Je sens qu'on est en train de faire une énorme connerie. Ah, si on s'en sort en vie, ce sera déjà bien. Pas faux. J'entends le MJ qui rigole derrière. J'aime pas ça. Donc tu vas chercher des victuailles. Mmh. Mon petit détail. Tout à fait. Bah du coup, au bout d'une demi-heure, Teta n'est toujours pas revenu. Encore. Eh mais il prend le temps de. Je vais le chercher, je vais le suivre. Je suis un Ronin dans un camp de Ronin. Tout va bien se passer. Donc je vais le chercher. Ok. Tu arrives au victuailles. À l'endroit des cuisines, quoi. Et bah tu le vois pas. Cependant, tu vois qu'il y a des gens qui travaillent aux cuisines qui se posent des questions sur où est tel truc qu'ils avaient préparé, posé là ou voilà. Et bah, je vais me diriger vers la tente du Shugenja. Peut-être qu'il a décidé d'y aller tout seul, ce con. Même avant d'y aller, tu sais que c'est faux parce que je considère que t'avais. J'ai surveillé. Ou que t'es surveillé, ouais, que t'as surveillé. Je vais l'attendre encore un peu. Alors. Comment Teta va se sortir de cette situation? Faudrait qu'on connaisse la situation pour le savoir. Moi, je la connais. Mais
Je réfléchis à ce qui est le plus intéressant à jouer, en fait. Mais... ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire le parcours du camp et du... tu vas pas le trouver... Enfin, tu vas chercher vraiment partout. Hein. En mode, au moins qu'il soit enfermé quelque part, Il semble pas être là. Au bout d'un moment, tu vas retourner à ta position d'attente et il va être là. Et au moment en fait où tu le rencontres, tu te rends compte qu'il vient d'arriver là et que toi aussi, enfin que vous captez après une bonne heure, voire presque deux peut-être même. Vous entendez des cris dans le campement et des ordres en fait qui sont donnés en mode réveillez-vous, fouillez toutes les tentes, etc. etc. Ok, je m'approche de lui. Qu'est-ce que t'as fait ? C'est pas moi, c'est ma main gauche. Qu'est-ce que t'as fait ? Alors je vais prendre la parole hein, pour en détail. Rien de particulier, mais je pense qu'il faudrait mieux qu'on se tire. Très bien, sortons d'ici. Par contre, ne vous inquiétez pas. En ce qui concerne foutre la merde, je pense que c'est fait. T'as tué le Shugenja ? Non. Bon, allez, on verra plus tard ce que t'as fait. Barrons-nous. Du coup, on va prendre la tangente. Bah en fait, vous... vous commencez à vous éloigner du campement et puis vous allez entendre derrière vous vraiment une activité assez grande qui se réveille dans le campement. Et vos vêtements commencent à briller. Tous mes vêtements, même ceux que je porte en dessous, enfin, mes vêtements à moi, non. À moi. Non, non. Ok, les vêtements volés. Ouais. Enfin, c'est plus compliqué que ça. Hein, mais voilà. Mais vous êtes de lumière, quoi. Vite, faut se. Enfin, je sais qu'il faut. Nous devrions retirer ces vêtements. Évidemment. On va vite se déchausser, se déshabiller de ça. Eh ben, à partir du moment où vous les enlevez, vous arrêtez de briller. Et l'événement au sol ne brille pas. Cours, détail, cours. Vous entendez des chiens. Ah, ils ont des chiens maintenant. Leur chef est une licorne. Certes. J'entends des chiens. Ok. Très bien. Vigueur athlétisme. Enfin, constitution. Ok. C'est athlée la compétence dans L5R. Oui, c'est athlétisme. Ouais. Du coup, c'est quoi ? C'est force généralement, non ? Ouais, mais là, c'est endurance, donc je vais le faire sur constitution. Ok. Du coup, il a combien en constit et combien en athlétisme ? Ouh ! Alors. Il a. Mais il va avoir 3 en athlétisme parce qu'il ignore les. Les avantages du terrain, il a qu'un petit malus et pas un gros malus par rapport au terrain actuel. Parce que vous êtes quand même sur un terrain médiocre, hein. Enfin, je veux dire, haute montagne avec de la neige, ça se pose là en tant qu'environnement hostile, quoi. Donc 3, et après on constite, il a 1. Ouais, j'ai confiance en lui. Il va faire un petit 10. Ah bah non, il a fait 7. Alors, ton Itaka, tu fais combien ? J'ai fait 16. Alors la question, c'est est-ce que ton Itaka, tu sais chacun pour soi et tu laisses tes tailles se démerder ou non. Est-ce que... Je vais le soutenir. Je reste non loin et si on se fait attaquer, ben on se défendra à 2. Ok. Initiative, je t'en prie.
28 à l'aide. J'aurais voulu faire ces jets-là sur un jet d'attaque, moi. Et je vais prendre la posture... En vrai... prendre la posture d'attaque, simple. Dedai, tu peux me faire ton jet d'initiative aussi. Même. Tac, tac. Ah, putain, il a fait 22. Ah. Du coup... bah, Toritaka, c'est à... Très bien, donc il y a un chien qui s'approche. C'est ça. Donc il s'approche, ouais. Il est vénère, quoi. Oui, ok. Ben... Il est à portée de frappe ou pas? Oui. Bon, bah, je vais le frapper. Je vais le frapper normalement, de mon katana. Pas de... Hop. Pas de posture spéciale, pas de point de vide. P8, G3... Et pas d'augmentation. Quoique. Ouais, non, je suis que rang 2. La feinte, ça vaut peut-être pas le coup. Non, je vais faire une frappe simple. On verra déjà ce que ça fait. Hop. 23. Tu le rates. Chier. Dedai, à toi. Ok. Dedai, avec son Gary, il y va. 24. Eh ben, tu le rates. Oh. Alors. 5G4. Bim, 29. Est-ce qu'il te touche, Toritaka? Oui. Ok. Deuxième attaque pour le 33. Ok. Bon. On va faire les dommages groupés. Ouais, j'ai deux, donc. Le premier. Ouh. C'est pour Toritaka. Et le deuxième, c'est pour Totai. Donc, Toritaka, tu viens de te prendre 28 points de dommage par. Je vais dépenser un point de vide. Alors, ton armure ça. Aussi, hein. Mais, Ouais, ouais, mais je vais réduire ça. Mon armure, elle est à 3, donc moins 13. Je prends 15. Ouais. Je prends 15. Ça picote. C'est bien. C'est à tes tailles, non? À tes tailles, il a pris un point de vide pour encaisser 10 points de dégâts aussi, quoi. Bah ouais. Bah non, ça, fin, là ça tourne, c'est à toi, Toritaka, je pense. Ah ok, ah oui, t'as fait 24 pour toucher, ok. Bah écoute, je vais passer en posture d'assaut, parce que j'ai envie de toucher. Et je vais prendre 3 augmentations de dégâts, comme tout à l'heure. Ça marche. 41! Punaise, y'en a qu'on l'a. Ouais. Bah, ça passe juste, hein, mais ça passe. Ouf! Du coup, je fais 10 G2 de dégâts. Ça fera. 43. 43, tu le tues. Hein. T'as le droit de décrire comment ta lame le tue, hein, mais. Ah, je le fends en long, bah, alors qu'il s'apprête à me remordre, je passe ma lame dans sa gueule et je le fends tout du... Très bien. Très bien, très bien, très bien. Vous reprenez la route ? Oui, on va partir. Ouais, on va partir. Je vais cacher nos traces quand même. C'est juste histoire de... Je me doute qu'ils vont savoir que c'est nous. De toute façon, il y a une tempête dans quelques jours, donc voilà. Oui. Je sais plus si c'est demain ou après-demain qu'il y aura la tempête. C'est demain, je pense. Dans mon esprit, en tout cas, c'est ce que j'ai en tête. Pardon. Bah, du coup, vous rentrez au village, malgré, comment dire, vos péripéties. Vous allez entendre hein, qu'il y a des gens derrière vous, quand même, un peu, mais... voilà, et donc, bah, au bout d'un moment, vous allez commencer à croiser bah, quelques... villageois qui se sont cachés dans les à des postes pour
enfin, surveiller la route. Et donc ils pourront flécher, on va dire, les chiens et ou les éclaireurs qui se pointent. Je leur dis de faire attention qu'on a sûrement été suivi. Mmh. Oh, ils sont là pour ça, hein, faut pas. Et du coup, on va rentrer à la maison, on va retourner voir Kuni-sama et lui annoncer qu'ils vont certainement utiliser l'opium médicalement. Ah oui, en chemin, alors qu'on est dans le village, mais qu'on est encore en train de marcher, je demande à Tetaï, bon, du coup, t'as fait quoi? Alors, comment dire? Avant, quand vous arrivez dans le village et que vous... Donc il y a les premiers éclaireurs qui sont, on va dire, sur le trajet. On se doutait potentiellement que vous pourriez être suivi ou quoi ou qu'est-ce. Donc ils ont été positionnés là en amont. Enfin, pour le coup, en aval, puisqu'on est vous êtes en dans une montagne. Mais voilà. Et mais du coup, vous, en remontant vers le plateau, vers le village, donc vous descendez le passage où il y a la cascade, et bah vous vous rendez compte qu'il y a des combats dans le village. Ok, je dis à Tetaï de rester près de moi et on va y aller. Bah, Tetaï te suit, que ça lance à la main. Alors, est-ce que vous voulez attaquer par devant ou par derrière? Ah, j'ai aucune race, j'attaque par derrière. Alors, si vous attaquez par derrière, vous êtes le groupe Toritaka et Tetaï. Si vous attaquez par l'avant, vous êtes le groupe Kuniaka, Isha et compagnie. Ah, on peut passer à Kuni. C'est vous qui voyez comment vous voulez régler la situation. Sachant que je considère que, évidemment, entre guillemets, bah, vous qui allez arriver, vous allez être un peu un renfort de bienvenue, mais la bataille a commencé déjà depuis un petit moment. Non, on peut passer à Kuni. Ok. Kuni, Aka. Oui. Plus de sang d'attaque? J'ai quasi plus de sang, oui, donc oui. Ça va. Ouais, comme un gardien. Allons-y. Alors. Vous êtes attaqué par un petit groupe de zombies. Oh mince. Un petit groupe. Qui. Comment dire, ne fait pas partie des villageois. Ils sont venus d'où alors? C'est une bonne question. Mais c'est une question que vous répondrez. Enfin, vous chercherez à répondre plus tard. Parce que c'est pas l'urgence. Oui, oui. Alors attends. Juste que je trouve ce dont j'ai besoin, ce qui est une palissade, la palissade, mais comme phrase évidemment, mais non, je suis plus loin. Voilà. Alors, est-ce que Kuniaka, tu as de l'art de la guerre? Attends, je regarde, mais il me semble pas. Non, j'ai pas. J'ai de l'art tout court, mais ça va pas servir à grand chose. Ouais, c'est un groupe de zombies, vous avez pas, y a pas forcément de général, donc ça va aller, vous allez être considéré comme en gagnant en termes de tactique. Donc, en quel groupe tu es? À quel niveau d'engagement tu es? Première ligne, engagé, désengagé, soutien. Bah, si on est que deux. Alors, il y a plus que deux. Mais je me concentre sur vous. La caméra, elle est sur okay. Vous. Elle n'est pas sur les autres. Mais évidemment, en tant que Kuni et que en tant que samouraï, et tu te doutes bien que bon, si t'es pas en première ligne, la première ligne, elle va être assez faible hein, en termes de puissance de feu. Je pense pas qu'elle soit beaucoup plus forte avec moi dedans. Mais bon, ouais, t'as raison. Bah, je suis en première ligne. Ouais, c'est vrai. S'il y a que des villageois, je suis forcément devant pour essayer de les protéger au mieux que je peux, quoi. Isha, quel est ton niveau d'engagement dans la bataille?
engagé. Ok. Alors, bah, vous allez tous les deux me jeter un des 10 auquel vous allez ajouter votre eau plus votre art de la guerre. Ouais, super. Considère que eau, Isha, elle a 2 et art de la guerre, elle a 1. Ok. Ah, de l'art de la guerre. C'est rigolo. C'est un jet ouvert le 10 ou pas? Oui. Bah, allez, on va être gentil. Vous voulez garder 10 et... Non, en fait, c'est un jet 1. Enfin, un jet 10, parce que là, tu te demandes à lancer un dé et d'en garder 10. Ah oui. Ce n'est pas possible. Ok. Ok. Alors. Donc, Isha, bah, tu vas te prendre 3 dés de blessure. Hop, je vais mettre ça. Et un peu de gloire. Sois un gentil MJ, fais des petits dés. Oh, mais ça va, c'est un PNJ. Elle est en scénarium, elle. Un peu. Hein. T'attaques 3, j'ai 3. 21 points de dommage. Elle peut cramer un point de vide pour réduire ? Oui. Elle va le faire. Oui, oui. Et du coup... Alors, mon petit Kunyaka, tu as 3 dés de blessure, un point de gloire et un duel qui t'est proposé. Avec un zombie. Donc, en tant que duel et zombie, ça va être un combat à 1 contre 1. On va pas s'embêter avec des règles de duel et tout. Oui, je conçois. C'est un zombie honorable. Ce que tu remarques, c'est que les zombies que vous affrontez sont des enfants. Enfin, sont des squelettes d'enfants. Hein. C'était la petite info en plus. Je les ai déjà vus dans le village ou... Non. Ils viennent d'où, leur cela. Ils sont... C'est pratiquement que des squelettes, hein, mais... Ouais, ils sont l'air vieux, du coup. Ouais. Ouais. Alors, je cherche... Les stats du zombie. Ah, les stats du zombie. Voilà. Ouais, c'est méchant. Ah oui, j'en ai l'armure 10, ça va. Donc, initiative, ma petite Kunyaka. Bon, il a fait 1 en initiative, donc a priori, tu auras l'initiative. C'est moi qui lance les dés, c'est pas sûr. Hein. Bon, 20, ça va. Bon, à partir du moment où t'en gardes 3, forcément, tu fais plus de 1, mathématiquement. Hein. Donc, à toi. Ben, j'ai lancé mon feu purificateur dessus. Ça fait quoi ? Ben, c'est en fait, je suis enflammé. Du coup, s'il me frappe, il prend 2G de points de dégâts. Et si j'attaque avec une arme ou au corps à corps, ben, il prend 2G de points de dégâts supplémentaires en plus de feu. Ok, pas bête. On savait bien que c'était une allumeuse. Donc, je prends pas d'augmentation. C'est gratuit. 28. Ok. Bah, du coup, c'est à lui jouer, hein, parce que moi, j'ai lancé mon sort. Oui, bah, je viens de le faire. Il te touche avec 16 ? Je vérifie. Non, il faut faire 20. Tu as de la chance. Du coup, il prend 2G2 en te touchant, du coup. Bah, il te rate, du coup. Mais ouais, s'il m'a raté, il prend rien, c'est seulement s'il me touche. Ok. À toi. Tu fais quelque chose. Captain. Oui, laisse-moi réfléchir 2 secondes. T'es en combat, là, tu peux pas réfléchir, là. Bah, frappe déjà dedans sa gueule. C'est bien, tu respectes la règle de ne jamais utiliser 2 fois le même pouvoir d'affilée. Après, je suis courant. Non, mais tu l'aurais fait en premier, ça aurait pas respecté la règle par rapport au premier ennemi que t'as affronté. Là, ça va. Bon. Tu peux te dépêcher, par contre, parce que j'ai pas envie de... 18. Oui. Ben, attends. T'as pris des augmentations, là ? Non. Ah. Fais-moi des dommages. Ouf. Y a pas de dégâts de feu, hein, parce que c'est pas... C'est pas encore à corps. Non, ouais. Oh, 14. Tu rates. Quelle surprise.
j'ai pas fait jouer la peur. Bon. Ça va. Oui. Il doit plus de rester sur la terre, là. Si, si, il m'en reste un, mais j'ai plus de vide. Bah, du coup... T'as combien en vide ? Bah, j'en avais deux. Ouais. Ok. Du coup, bah, sur Twitch, je balance mon dernier frappe, ma dernière frappe Béjade, et puis après, on va y aller avec mes Ouais, t'as des sorts de feu encore. Bah, ouais, mais j'ai pas de sort d'attaque en feu, ouais. Bah, bah après, si t'es mauvais. Hein. Vas-y. On voit la sauce. Ah, c'était le 33, le. Non, ça, c'est l'incantation. Et 20 ans dommage. Ok. Trat. Bah, par contre, si tu attaques au Tessen, il va prendre les dégâts de feu. Pas mal. Je t'en prie, hein. L'éventail de dégâts, c'est agilité. Ça va pas être beau. Faut que tu fasses 10, hein. Ça va aller, hein. Bah, tu vois. Il est gentil, le MJ. Alors, on dirait un combat de grand-mère, comme avec le caillou la fois dernière. Ouais, bah, c'est un peu le cas avec des. Avec des. Avec des zombies. C'est dommage, okay. Ça. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, bon là, oui. Là, oui. Il va pas. Tu as gagné ton duel, donc tu gagnes un point de gloire. Et par contre, ouais. Tu prends 3 dommages, 3 dés de dommages. Je sais, ça c'était que la partie rigolote de l'affrontement, mais tu as aussi 21 points de dommages en bonus frappe. Mm. je disais mon dernier point de vide pour l'encaisser. Enfin, l'encaisser 10. Ça picote ou pas? Je suis à 17 points de dommage, ouais. Comme je n'ai pas d'armure. Non, mais ça, c'est pas ma faute. Bref, Isha a pris son petit point de gloire et ses petits points de blessure. Kunyaka a résisté face à un zombie qui lui qui l'a regardé de façon étrange et insistante. Et arrive derrière, bah, du coup, Tetai et Toritaka. Coups arrivés, ça va. Qui, du coup, prennent pas derrière les zombies et règlent l'histoire, on va dire. Enfin, vous. Les derniers. Bien entendu, Kayu-sama en a détruit quelques-uns. Vous faites retour, Ettore Takasama ? Oui, au bon moment, j'ai l'impression. Mais il ne pouvait pas en être autrement. Les Kami sont avec nous, visiblement. Oui, les Kami, oui. Et d'où est-ce que ça vient, tout ça ? Bah, tu vois Kuni qui regarde à droite, elle regarde à gauche, et puis elle te dit, bah en fait, j'en sais rien du tout. Ils sont apparus. Alors pour comme le coup, c'est peut-être toi, Toritaka, qui a le plus d'indices là-dessus, parce que vous arrivez d'endroit d'où ils viennent. Et donc en fait, visiblement, la Terre a été pas mal retournée autour de la cascade, en bout de village. Et visiblement, ils sont sortis de là, les corps. Et t'en as neutralisé quelques-uns avant qu'ils sortent, quoi. Comme on a joué de l'autre côté, je vous ai pas fait jouer ça, mais... Voilà. Ah. Oui, j'ai vu qu'il y en avait certains qui sortaient de près de la cascade. Vous voulez que je vous y emmène ? Oui, il va falloir. Pas même si je ne peux plus faire grand chose actuellement, mais oui, nous devons inspecter ce lieu rapidement. Rapidement maintenant ou rapidement vous voulez rapidement aller maintenant. Dormir il n'y, a pas de place pour... il n'y a pas de place, on ne laisse pas marcher la corruption sur cette terre. Ouais, je suis bien d'accord. Bah, y a Shiba Ayo qui dit on laisse bien marcher Yasuki-sama. Je vous demande pardon. Oui, je le regarde aussi, genre, j'étais obligé d'en rajouter une. Oh, c'était une vanne. Oh, les crabes, vous avez pas d'humour. Euh,
Ouais, je ne trouve pas ça drôle. Ah bah, pour nous, c'était hilarant. Et il se marre. Donc bah, go de la cascade. Ouais. Bah, le cimetière que tu avais déjà identifié, que vous aviez déjà fouillé une fois ou deux, bah, visiblement, ça se relève. Alors bon, vous allez couper ce qui vont bien, vous allez brûler ce qu'il faut, puis voilà, ça va passer, il y a pas de... pas de problème, mais bon. Si, parce que du coup, ils viennent d'où ces corps? Cogny a sa petite idée, mais c'est peu crédible, on va dire. Ouais. Et surtout, pourquoi maintenant? Je sais pas si c'est lié, mais avec Kai, nous avons appris qu'ils avaient un Shugenja dans le camp des Ronin. Ça, c'est inquiétant. Oui. Cependant, rien n'indiquait que c'était un Mao Tsukai pour autant. Un Mao Tsukai ne spawn. Même les Ronins ne seraient pas assez fous pour accueillir un Mao Tsukai dans leur rang. Bah, peut-être qu'ils ne savent pas qu'il en est un, ou peut-être qu'ils sont assez désespérés pour le faire. Mais enfin, quoi qu'il en soit, notre mission est un échec cuisant. Vous avez été blessé? Oui, j'ai été un peu blessé. Un chien est venu nous attaquer. Alors que nous nous enfuyons du camp, nous n'avons pas réussi à accomplir quoi que ce soit. Même ce que nous savons, c'est que l'opium que nous leur avons fourni a été transféré directement à l'hôpital. À leur hôpital. Une sage décision de leur part, mais qui sera lourde de conséquences pour nous, oui. Enfin, je suppose. Qu'est-ce que je voulais dire? Teta, il va ajouter que quand nous avons quitté le campement, il semble que les Ronin étaient préoccupés. Oui, d'ailleurs, j'aimerais bien connaître la fin mot de cette histoire. Qu'avez-vous fait pour cela, Tétail? J'ai discuté avec quelqu'un. Ah, une personne que nous connaissons? Une personne que je connaissais, et que je connais, mais dont j'ai appris l'importance aujourd'hui. Comment ça? Il s'agit de la... de la chef Ronin. Ah. Me dis pas que tu l'as supprimée. Non. Qu'est-ce que tu lui as fait? Nous avons juste discuté. Pendant 2 heures. C'est une longue conversation. Et il s'en passe des choses en 2 heures. Mmh. Et puis, j'ai pas... mon absence était de 2 heures, mais je n'ai pas discuté avec elle 2 heures. Tiens donc, et qu'as-tu fait d'autre alors? Ben, il a fallu que je trouve les déguisements ou la nourriture, etc. Mmh. Qu'as-tu donc, qu'as-tu dit à cette fille pour que ce soit la zizanie dans le camp? Ah, bon, rien de ce particulier, mais sa mère nous a surpris. Et elle sait qui tu es, ça? Bah, je sais où elle aimerait me voir en tout cas, mais. Je rigole un peu. Qu'est-ce que t'as fait à sa fille? Non, en fait, je ne veux pas savoir. Il a un petit sourire, mais. Bah, c'est clair qu'il a fait un goulou-gou dans la case, mais bon. Ah là là. Sinon, sa mère serait pas aussi fâchée que ça. Il faut bien que jeunesse se fasse. Une question pour toi, Teta. Tu es encore jeune, tu as probablement de l'avenir devant toi, mais en cas de descendance... Oh, mais je n'ai fait ça que pour accomplir ma mission.
Et qu'as-tu appris de bien, du coup, dans cette longue discussion? Ben, rien de particulier, mais comment dire. Ce que je sais, c'est que la chef Ronin est devenue Ronin à cause de sa fille. Ça en est lié, et que du coup, elle est très importante à ses yeux. Et je ne savais pas que c'était sa fille. Mais. Mais bon. Avec de la chance, comment dire. Certains Ronin suivaient cette chef pour peut-être avoir la permission d'un jour. Avoir sa fille comme épouse. Oui, je pense que maintenant c'est un peu. Hâté. Techniquement, j'espère avoir peut-être diminué les renforts, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, forcément l'avoir fait volontairement. Oui, je vois, je. Peut-être mais que le sacrifice de son corps, parfois, peut servir à des choses, effectivement. Bon, c'est moins pire que ce que je pensais. Il y a une tempête qui se prépare, et avec ces zombies qui traînent, il faut qu'on se dépêche de brûler ce qui reste des corps. Ensuite, on aura loisir, durant la tempête, de discuter de la suite. J'aimerais bien que Caillou Sama prenne part à cette discussion. Il a souvent des idées pragmatiques. Je pense aussi, oui. Est-ce que ça vous dit si j'arrête là pour ce soir? Bah oui, parce que je pense qu'après, de toute façon, on discutera avec le Caillou pour savoir ce qu'on fait, quoi. Oui, avec tout le monde même. Donc, ouais, très bien. Ok, ok. Bah, j'espère que la partie vous a plu. Ça, tout ça. Oui. Abonnez-vous. Je vais arrêter les enregistrements et la diffusion. Donc, au revoir les gens. À la prochaine. Ça.